Good morgen, allez, on est tous aujourd'hui le Nishmat Dov Ben Yudit et Vataramra Ben Chedva, Chaya Esther, Bat Myriam, Yitzhak Peretz, Ben Fortuna. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masechet Shabbat Parikret Mishnah Zain. Chayas Kedeliten Ben Patsim Lachavero, Divri Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer Kedelachtot Bo et Aour. Rabbi aussi Omer Kedelekabel Bo Revit. Ama Rabbi Meir, Afal Piche Enre Aya la Davar Zecher la Davar, Veloi Matse Bim Chitato. Cheres lachtot esh miyakud. Amalo Rabbi Yossi misham raya, velachsof maim migeve. On continue dans notre Mishnah, ça va nous durer encore pendant. Il va y avoir une petite pause et puis ça reprendra ensuite vers la fin du prochain Perek. De nouveau, de définir pour chaque élément quelle est la quantité requise pour transgresser l'interdit de porter Shabbat. C'est-à-dire, chaque fois qu'on transgresse un interdit de la Torah, alors il y a une quantité requise, manger, il faut un kazaït, boire, il faut un revit. Et chaque chose, elle a sa quantité requise, d'accord, c'est fréquent, dans plein de domaines de la Torah, il y a des fois attention, pas toujours manger ses kazaïques, des fois c'est plus, des fois c'est moins, ça dépend si on est à Purim, à Yom Kippour, ou à Pessah, il y a là-bas des différences. En tout cas, pour maintenant, on s'intéresse dans nos Mishnayot, à savoir la quantité requise pour chaque élément, à partir de quelle quantité je transgresse l'interdit de porter à Shabbat. Si je transgresse, si à Shabbat je vais porter une petite graine, une petite pépite qui n'est pas tellement conséquente, et eh bien je ne transgresse pas l'interdit de la Torah de porter un Shabbat, c'est-à-dire parce que je ne fais pas la quantité requise, je ne transporte pas une quantité requise, d'accord? Et du coup, ça fait maintenant deux prakim qu'on découvre pour chaque élément quelle est la quantité, à part le chiour, et puis à présent on a dans notre Mishnah Cheres, celui qui transporte de l'argile, on parle de l'argile qui est déjà durcie. Un morceau d'argile, un pot qui est en argile, par exemple, qui est tombé, qui s'est cassé, et je ramasse un morceau. À partir de quelle quantité je considère que c'est une quantité importante? Alors, il y a plusieurs, trois chiourim qui sont proposés. Kedeliten ben patsim la chavero. Suffisamment de quoi mettre entre une poutre et l'autre. Est-ce que le mot patsim, ça veut dire une poutre ou pas, c'est un peu discuté dans les mefarshim. Le principe, quoi qu'il arrive, on parle de matériaux de construction, et qui va, pour équilibrer, vous savez, comme par exemple, pour équilibrer en fait entre les poutres, comme ça le tirer les rapports par exemple. On met des poutres une sur l'autre, maintenant les poutres elles sont pas exactement homogènes, mais à la même épaisseur, largeur. Donc du coup, il faut, pour pouvoir la rééquilibrer, eh bien il faut lui mettre des petits morceaux d'argile. Donc si un morceau d'argile suffisamment conséquent, que j'imagine que ça peut supporter assez de poids quand même pour que ça se casse pas tout de suite, eh bien on transgresse déjà l'interdit de porter un morceau d'argile à Shabbat. Divré Rabbi Yehuda, telle est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, qui est de l'Achtot, Bo et Aour. Selon Rabbi Meir, il nous dit non, c'est pas mettre uniquement de la construction, là, il faut quelque chose, suffisamment de quoi transporter une braise. L'Achtot, Bo et Aour. L'Echatot, en général, le mot l'Echatot, ça veut dire quoi, plutôt attiser. C'est le fait de ramasser, concrètement, le fait de déplacer les braises quand on a le charbon qui brûle, on veut le déplacer d'un côté, ça c'est le Shema Echaté. De peur qu'il va attiser, ça veut dire, d'accord? Et donc maintenant, pour déplacer une braise, prenez en compte que déplacer la braise, ça signifie pas uniquement de quoi transporter la braise qui a cette place pour qu'elle soit posée. Il faut un morceau assez long pour que vous ne vous brûlez pas les mains, d'accord? Et on a Rabbi Yossi Omer, qui est de la Kabel Borevit. Rabbi Yossi nous dit, non, de quoi recevoir un revit d'eau? Un revit, c'est 86 centilitres, millilitres d'eau. Donc, il faut qu'il y ait de quoi, plus précisément, qu'on puisse ramasser un peu d'eau comme ça pour l'amener quelque part. Donc, s'il y a un morceau d'argile, de peau d'argile cassée, qui est assez conséquent pour transporter ça, alors on transgresse l'interdit, sinon non. La question est de savoir maintenant, entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, quelle est la quantité la plus grande. Donc, on va déduire de la suite de la Mishnah, qu'en fait, après Rabbi Meir, la quantité de ramasser la braise, c'est une quantité plus grande que le revit, comme ça va être implicite en fait de ce qui va découler tout de suite. Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir il a dit, d'où je sais, d'où j'ai ma source, aval piché en réaïa la davar, même s'il n'y a pas de preuve du verset, aval zecher la davar, il y a quand même une signification quand même que ça sort comme ça du verset. C'est-à-dire, j'ai un verset qui va prouver que j'ai raison, que un morceau d'argile, sa fonction lorsqu'il est cassé, c'est de déplacer une braise, j'ai un verset explicite, et c'est un verset explicite que
Quelqu'un qui va vouloir s'entêter et me dire que c'est pas forcé de se passer de ce pasouk, parce que le pasouk il parle d'autre. On peut expliquer que le pasouk il n'a pas forcément cherché la quantité minimale requise, il pourra refuter mon propos. En tout cas, j'ai un verset. Que dit ce verset? Vlo imatse bimchitato cheres lartot esh miyakud. Et là, je pense qu'il vaut mieux sortir le pasouk dans Ishaya. Ishaya Perek Lamed et Pasouk. Il était ici. Pasouk Yud Dalet. Faites une recherche, il y a Machon Mamre, quand vous êtes sur internet, la Bible Machon Mamre, vous avez une traduction instantanée de tous les... ça vous propose tout le Tanakh, traduit. Là-bas, il y a marqué « Lachen ko amar kedosh Israël » Hachem, parce que le Ham Israël, ils n'ont pas subi les voix d'Hachem, alors Hachem, il leur annonce que Shalom, tout va être détruit, et que ça va être détruit, que leurs espoirs ils vont s'effondrer comme une muraille gigantesque, que d'un coup on remarque qu'il y a une grande fente et que d'un coup elle va s'écrouler, chas v'shalom, comme ça, chas v'chalila, tous leurs espoirs, tout va s'effondrer à Jérusalem. Et donc, on continue dans la métaphore de cette muraille qui va tomber, et le pasouk me dit « Ushvara keshever nevel yotzrim katut lo yachmol » et elle va se briser comme ça peut être brisé un pot des potiers, des gens qui fabriquent les pots. Katout, il va être tout ratatiné, lo yachmol, sans pitié. Et là, c'est le verset qui est rapporté chez nous, lo imatse bimchitato cheres, et on ne trouvera pas dans ces débris un morceau d'argile, l'artot eshmi yakud, un morceau d'argile suffisamment pour déplacer, prendre du feu depuis du charbon qui brûle, enfin du bois qui brûle, Velarsof Maïm Megeve, c'est la suite du passage qu'on va voir dans la suite, et de quoi ramasser de l'eau d'une flaque d'eau. Je m'explique, en fait, le passage, on continue la métaphore, et le passage me dit, ben c'est simple, le mur, ça va s'effondrer tel un mur gigantesque, une muraille, qu'on s'imaginait qu'elle allait nous protéger, puis d'un coup elle va s'effondrer tel un pot en argile qui va tomber, qui va se briser en débris, on aura du mal à trouver même un petit bout d'argile suffisamment pour ramasser pour déplacer du charbon ou pour ramasser de l'eau. Donc du coup, je déduis que maintenant je reviens sur notre Mishnah, on a Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Chacun, ils déduisent de ce verset justement que la quantité minimale requise pour un morceau d'argile, alors Rabbi Meir va dire, mais c'est simple, donc il faut de l'argile pour déplacer la fonction la plus primaire, la plus élémentaire d'un morceau d'argile, c'est déplacer une braise. Donc voilà, la quantité, elle est là. La quantité requise qui a déjà un morceau d'argile important, c'est de quoi déplacer une braise. Sur ça, Rabbi Yossi me dit, mais non, continue le pasouk. Le pasouk il dit, il n'y aura ni ça et même pas ça. C'est comme ça qu'on parle. Donc le pasouk il me dit, il n'y aura même pas de quoi, même pas déplacer une braise, et même pas de quoi ramasser un petit peu d'eau. C'est-à-dire quelqu'un qui veut ramasser de l'eau d'une flaque d'eau qui est par terre pour le transporter. Même un morceau d'argile comme ça, tu ne trouveras pas. Je déduis de là que la quantité requise par Rabbi Yossi, elle est inférieure que la quantité requise de Rabbi Meir, selon la logique du pasouk, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.